La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Chez Delta là, non? Oui, oui. Tu vas lui donner ce papier là pour qu'elle me le signe. Ah, tu fais vite. Mon nom, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, c'est le papier du divorce là, l'acte du divorce. Tu crois pas que c'est l'huissier qui doit lui remettre ça? Toi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Tu vas apprendre quoi? Hein? Ah, comment ça? Je te donne un papier pour pouvoir le faire signer, puis c'est toi qui commences à me donner des leçons de droit. Bon, dans ce cas, tu es mieux placé pour aller lui remettre à l'aide. Dans cette histoire, toi-même, tu es avec qui? Tu es de quel côté? C'est pas ta grand-mère et toi qui m'avais poussé à divorcer. Maintenant, je prends la décision de divorcer. Toi, tu refuses de collaborer. Mais tu me parles d'huissier. C'est quoi un huissier? Un huissier, on l'utilise dans de simples missions d'intermédiaire. Mais c'est pour éviter des affrontements inutiles. Je t'ai confié ça, c'est comme si je l'ai confié à un huissier. D'accord, non, je n'ai pas compris ça comme ça. Je vais aller lui remettre. Mais alors? Et tu insistes, hein, écoute. Tu insistes pour qu'elle le signe. D'accord. Il faut insister pour qu'elle signe. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, attention, finissez de faire la table là. Je vais manger pour aller voir. Voilà. Répète ce que tu viens de me dire. J'ai dit que Thérèse est une sorcière. C'est toi qui es la sorcière. La véritable sorcière, là, c'est toi. Toi-même, tu sais très bien que Digbé, là, c'est un menteur. Quant à Oupo, il n'a jamais aimé Thérèse. C'est tout à fait naturel, parce que c'est le neveu de Boyeri. Les deux personnes l'ont ajouté à ce petit voleur d'Abbas, là, qui m'arrête dans la rue pour me dire c'est Thérèse qui allait appeler, c'est Thérèse qui a fait ça. Oh, c'est toi. Alors, je veux parler de ça, tu cries. Qui allait vérifier? Mais évidemment que c'est Thérèse. Donc, tu veux dire que c'est pas Thérèse qui a appelé, quoi? Non, c'est pas elle. Elle n'a pas appelé, mais pourquoi elle s'est mise à ton pied l'autre jour pour te demander pardon en disant que c'est Guy Amos qui l'a envoyé d'appeler? Mais attends, Ange, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tout ça là, c'est la manifestation de l'amour. Hein? Elle a fait ça pour ne pas que je la frappe. De toute façon, tu m'avais monté contre elle là. Dosso, Dieu te voit. Hé, hey, comment Dieu me voit? Tu oses me maudire dans ma propre maison? Hein? Écoute, ramasse tes affaires et va-t'en. Tu comprends, non? Je bouge pas. Tu ne bouges pas? Oui. Donc, trouve-toi un dentiste. Parce que de toute façon, je vais te sonner de la tête aux pieds, là. Je me demande si une de tes vilaines dans la nuit va rester dans ta bouche. Dosso, c'est je tout. Vais nulle part. Je vais même pas bouger. Je ah suis bon. Là. Tu es là? Hein? Mais attends, Ange. Tu es mon parent ou bien? C'est moi, je t'ai accouché. Une simple petite affaire de concubinage qui dure depuis 20 ans. Je veux me décharger maintenant. Tu es collé dans mon dos comme ça. Que tu veux pas partir. Y'a quoi? C'est quoi le y a faute? Quoi? Quelle faute là? C'est ça qui est collé en bas de ton pied. Regarde, dès que tu vas franchir ma porte là, il y a au moins 20 garçons que tu vas rencontrer. Laisse-moi tranquille et va-t'en. Voilà, je ne veux pas venir te trouver ici. Où tu as fini ça de m'épuiser là? Je ne vais pas, hein? Dieu. Et puis, non, lui là, il dit quoi? Donc il va m'épuiser comme ça. 20 ans de concubinage, c'est comme ça, il va me mettre dehors. Ça là. Chérie, oh, je vais bien. Mais où est l'enveloppe? Je ne l'ai pas vue. Ah non, elle est déjà partie.
Déjà? Attends, ça a été rapide. Ça veut dire que Lucie est déjà passé aussi? Non. Je l'ai fait partir par Oupo. Oh non, chérie. Pourquoi Oupo? Mais ça, c'est le travail de Lucie. Oui, c'est ça. C'est pas parce que je t'ai demandé de ne pas te rendre chez elle que tu vas donner à Oupo. Ah non! Mais ça, là, elle ne va pas signer. Et pourquoi? Mais parce que Oupo va lui demander de ne pas signer. Laisse-toi, écoute. Oupo ne l'aime pas non plus, elle. Moi, elle ne m'intéresse pas. Je veux me marier avec toi, chérie. Et arrange-toi pour que ce document soit signé, s'il te plaît. Pourquoi tu dis ça? Elle s'inquiète. Oui, je m'inquiète parce que je veux rapidement partir à la mairie avec toi. C'est entendu. On va prendre le petit déjeuner. Tout sera réglé. Théisson? Théisson? Est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Madame, j'avoue que j'ai complètement oublié. Tu es un véritable idiot, toi. Théisson, je répète encore, lorsque nous sommes à table, tu restes là pour le service. Oui, madame. Et alors? Madame, c'est parce que je n'ai pas encore fini avec la cuisine. Ah! Ok. Allez, monte me chercher les filles. Non, laisse, de toute façon. Ils ne sont pas obligés de prendre leur petit déjeuner. Ok, si. J'ai fixé une heure pour le petit déjeuner, c'est 7 heures. Et à 7 heures-là, tout le monde doit descendre. Oui. Tout le monde doit respecter l'heure. Qu'est-ce qu'elles, où est-ce qu'elles sont? Elles disent qu'elles vont prendre leur petit déjeuner après. Théisson, dès que j'ai fini, tu débarrasses cette table. Ok? Non, de toute façon, elles vont prendre leur petit déjeuner après. Hein, Malou? Michel, je crois qu'il faut qu'on mette certaines choses au point. Oui, les indisciplinés de cette nature, Michel, j'en ai pas besoin sous mon toit. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que très bientôt, elles vont rejoindre leurs différentes mères. Attends, tu y vas quand même un peu fort. Hein? Mes enfants restent quand même mes enfants. C'est ce qu'on verra. Théisson, dès qu'on a fini, tu me débarrasses cette table, ok? La voiture, c'est moi qui l'ai achetée avec mon propre argent que j'ai gagné à la sueur de mon propre fond. Donc je la prends. La maison, c'est moi qui la loue. Les meubles, c'est moi qui les ai achetés. Louise! Oui, papa. Viens. Voilà, j'ai dit. Tu te souviens que c'est toi qui m'avais accompagné à acheter les bibliothèques? Mais oui, papa, nous sommes allés faire les achats ensemble. Ok, c'est bon, faut partir. C'est tout ce que je voulais savoir. Papa. Va. Faut laisser tomber cette histoire-là. Toi-même, tu sais que tu la connais. Tu sais qu'elle ne va jamais te laisser les affaires, là. Donc, c'est pas la peine. Me laisser quelle affaire? Me laisser quelle affaire? Moi, mes propres affaires que j'ai achetées, Clémentine ne va pas me les laisser. Mais attends, mais tu dis quel camp, toi? Papa, calme-toi. Mais dis non. Calme-toi, c'est bon. Il faut faire ta liste. Hey! De toutes les manières, quand il va venir là, vous allez faire votre partage. C'est bon, il faut partir. Laisse-moi en paix. Ça veut dire quoi, ça? D'accord. Le frigo et le congélateur, je prends, je donne à l'inga, il va mettre dans son maquis. Un point, un trait. Cuillère, fourchette, assiette, l'inga. On va voir ce qui va lui rester. C'est lui-même qui m'a demandé de venir te remettre ça pour signature. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je ne sais pas. Il est vraiment sérieux, ton oncle. Tu sais ce que c'est ça? Non.
C'est l'acte de divorce. Alors, qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça? Non, il m'a simplement demandé de venir te remettre ça pour signature. Pour signature? Oui. Faut lui dire que je ne signe pas. Ah, ma tante. Pardon, faut signer, sinon on va me faire des histoires. Il va vraiment te faire des histoires, parce que je ne vais pas signer. Ta grand-mère doit être contente maintenant. Non, faut laisser maman. Moi, je suis plus d'accord avec elle. Non. Mais ta belle-tante. Quelle belle-tante? La nouvelle femme de ton non, mari. Non, celle-là, moi, je ne la connais pas. C'est toi, celle que moi, je connais. Ma tante, tu as bien fait de ne pas signer. Regarde, lui remet son papier. Bon, je vais te laisser. D'accord. Bonne journée, ma tante. Je salue mes enfants. D'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec sa grand-mère? Ça, c'est de nouveau, ça. Mary Remy, now my name. And acting, now my job. So those of now where they watch me from Nollywood movies, where they like my films. Waiting the rain now, na Iroko TV. That na the place where if you watch thousands of Nollywood movies, whether na new one or na old one, even the one will never come out, you go see them for Iroko TV. So what till you wait for? Run, go sign up. You go watch thousands and thousands of movies. You go tire. Tu me débarrasses la table. Pourquoi? On ne pose pas de questions, Léonore. Débarrasse-moi la table, c'est tout. Ah, Tessou. Nastou et Pipati n'ont pas encore mangé. Je ne peux pas débarrasser. Léonore, tu ne vas pas t'y mettre. J'en ai assez comme ça. Hey! C'est sur moi que tu vas te muscler. Tu sais qui t'a énervé, hein? La femme, là, c'est toi ceux qui a peur d'elle. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Bon, c'est bon. Dégage. Moi-même, je vais arranger. Dégage. Oh, laisse ça. Tu débarrasseras aussi. On dirait que la femme, là, même en train de te terroriser. Hein. Ça veut dire quoi ça? C'est elle qui va changer les habitudes de cette maison-là. Regarde, il ne faut pas toucher. Laisse ça. Si elle ne veut pas, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, madame. Nous sommes là juste pour débarrasser. Vous foutez de qui? De qui vous foutez dans cette maison? Dites-moi. Vous débarrassez là, planté comme vous êtes là? En fait, on n'était pas en train de débarrasser. Parce que tout le monde n'a pas encore mangé. Et Léonore, tu sais que tu me fatigues. Il faut partir. C'est vrai que de nous deux, il y a une qui doit partir. Oh, mais attends. Éléonore, fais attention, hein? Éléonore, fais très attention avec moi. Je remonte dans ma chambre. À ma descente, je ne veux pas voir une seule tasse sur cette table. C'est clair? Il n'est pas là, hein, maman. Il est sorti. Ah. Louise. Oui, maman. Qui a écrit ça? C'est papa qui l'a écrit. Tu as lu? Non. Je ne l'ai pas lu. Bon. Dans la maison, là? Mm-hmm. Est-ce que tout ce qui s'y trouve, là, c'est Goro qui a acheté? Mm-hmm. Non. Non. C'est pas lui qui a tout acheté. Bon. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Ce que moi je sais, et puis nous sommes allés faire les achats ensemble, c'est les deux bibliothèques plus la table à manger. Et les ustensiles de cuisine? Ça, je sais rien. Toi-même, tu sais que j'étais à l'internat en ce moment-là. Tu peux pas savoir. Quand il s'agit de ton père, là tu te souviens brusquement. Mais quand c'est moi, non. Quelqu'un, quitte là-bas! Si moi je n'ai pas de problème avec toi, allez régler tes problèmes là. Oui, princesse. Pourquoi tu as fait débarrasser la table? Nous, on n'a pas encore pris notre petit déjeuner. Il est 9h passé. Et alors? Et c'est pour ça que tu as débarrassé? Oui. C'est pas vrai, Téhisson. C'est ta dame là qui t'a demandé de débarrasser ça, non? C'est pas ça? C'est ça. Voilà, moi je te dis une chose. Ici là, nous sommes chez nous. Et nous mangeons quand nous avons faim. Tu as compris? Vos histoires de 7 heures là, il n'en est pas question. Moi-même, je ne comprends pas cette histoire là même. Hein? Ça veut dire quoi? La dame, elle vient s'installer dans notre maison et elle veut nous diriger. Mais là, elle a menti. Si c'était seulement diriger même, elle veut nous commander. Mais ici là, nous ne sommes pas dans un service militaire pour appliquer les ordres à la lettre.
Tu as compris? Si c'est comme ça qu'elle veut agir ici, là, nous on va lui montrer qui a versé le sel dans la mer. Moi, je... Deysan, s'il te plaît, tu peux nous faire des omelettes, là. Au jambon, hein? D'accord, mais ouais, celle-là même, elle ne réfléchit pas, hein. Avec tout ce qu'elle est en train de faire, là, nous, on est là, on ne dit rien, là. Elle ne peut même pas réfléchir. Elle n'a qu'à continuer. Elle n'a rien vu encore. Oh, celle-là. Ça va, c'est pas accidenté ici. On va la laisser. Tu n'as pas trouvé notre maison, c'est notre maison. Tranquille, tranquille. Maman, où vas-tu? Je vais dormir chez ma soeur. Demain, elle est venue ramasser mes bagages. Aïe, quel bagage? Pour aller où? Ton papa dit de partir. Il dit de quitter chez lui. Oh, maman. Tu devrais t'habituer à ça. C'est plus la première fois qu'il te renvoie d'ici. Cécilia, hein? Je suis fatiguée d'être toujours ridiculisée devant les gens. Je suis fatiguée. Il n'a qu'à marier sa gueule, Thérèse, là. Il va être en paix. Faut laisser bien. Retourne dans la chambre. Cécilia, faut laisser sacher là. Il dit s'il vient me trouver ici, il va enlever toutes mes dents. Oh, maman. Aujourd'hui, là, au nom de Dieu, si papa te touche, là, je vais le faire enfermer. Il saura que j'ai des relations. Mais dans tout ça, là, qu'est-ce que je vais faire des enfants? Mogate et Herman, ils viennent pour les vacances. Qu'est-ce que je fais? Mais Baz et Télé va s'occuper de vous. Ah, nous, on s'en fout d'elle. Elle ne peut même pas s'occuper de quelqu'un ici. Quand tu es là, c'est quand tu ne seras pas là qu'elle va s'occuper des gens. Cécilia, faut pas tu plaies, il va venir me trouver ici. Et puis, il va me frapper. Oh. Taysan? Taysan? Oui, madame. Taysan? Je sors. Tu me mets strictement 3 couverts. J'ai ma petite soeur qui vient manger avec nous. Bien pris, madame. Vraiment. Nana, tu as entendu ce que la vipère a dit? Oui. 3 couverts pour elle, son mari. Qu'est-ce que je raconte? Notre papa et sa soi-disant petite soeur. C'est-à-dire que nous, dans cette maison-là, on nous voit en cliché, quoi. Nous sommes des fantômes, c'est même pas des clichés. Nous sommes des fantômes. Ah, bonjour les enfants. Vous êtes enfin descendus? Bonjour, papa. Mmh. Sauvez. J'observe le plafond. Bon, je reviens tout à l'heure. Hein. Papa, on veut te parler. Ouais, mais je suis. Ça peut attendre le soir. S'il te plaît. Toi-même, tu sais que quand ta femme est là, elle ne peut pas avoir accès à toi. D'accord, écoutez, ça va. Hein? Je vais vous écouter. Papa, on voudrait savoir ce qui se passe dans cette maison. Comme quoi? Comme ce qui se passe ici. D'abord, tu es en séparation de quoi avec maman? On ne sait pas pourquoi. Ensuite, le divorce n'est même pas encore prononcé. Éléonore, s'il te plaît, viens chercher Zoé. Tu vis avec une autre femme qui ne cherche même pas à collaborer avec tes enfants. Hein? Mais la cerise du gâteau, c'est que toi-même là, tu ne fais aucun effort pour que les choses s'arrangent. Hein? Zoé, va avec toi. Ah, la star Zoé. Ça va, la star. Papa, donc je disais. Hi, my name is Jim Ike. I love Nollywood. I bet you do. Well, the people that brought you Nollywood love on YouTube has transmuted into HirokoTV.com and decided to bring you so many good things, including access to thousands and thousands of your favorite movies. Visit HirokoTV.com, sign up, start watching today. No hidden charges, no pressure, no hidden costs, nothing. These guys are straight. Aucun effort pour que tout se passe bien. C'est désespérant. Papa, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que là, tu as trop changé. On ne te reconnaît plus. Même dans le quartier, tous les voisins en parlent. On a honte. Écoutez, ça, je parie que c'est votre grand-mère qui vous met tout ça. Non, mais n'a rien à voir avec mais ça. Mais ne nous a jamais parlé de ça. C'est nous qui vivons ça. Non, arrêtez de raconter des histoires. Quand elle m'appelait, si vous étiez chez elle là-bas. Non, mais quand même, cette dame fait de gros efforts pour vous supporter, mais de votre côté, faites-en de même. Ah bon? Papa, donc tu veux dire que nous, on ne fait pas d'efforts? Mais nous, on fait des efforts. On fait des gros efforts. On en fait même trop. Mais sinon, il y a longtemps, on l'aurait frappée ici, cette femme-là. Ok, donc, vous n'allez pas. C'est à cause de toi? Okay. Je prends l'exemple sur le petit déjeuner. Elle a fait débarrasser la table parce qu'on n'est pas descendu à 7 heures pour manger comme elle exige. C'est pas vrai. Mais si. Et non seulement ça, elle dit à Taysan de mettre 3 couverts pour elle,
toi et sa petite soeur Ayame. Et nous dans tout ça là. Non, on n'existe pas. Nous, on voit tout ça là, on ne dit rien. À cause de toi, on fait l'effort de ne pas parler. Sinon, papa, en temps normal, tu me connais. Papa, vous êtes... si on voulait la suivre là, mais à longtemps, pas Thierry, on serait tombé sur elle dans cette maison et elle va s'écraser. Hein? Non, non, ne vous, vous appelez pas. Tesson! Tesson! Monsieur. Alors. Et puis papa croit même pas qu'on lui dit des choses. Non, non, laisse. Pas que je ne crois pas. Pas que je ne crois pas. Pas que je ne crois pas. Je vais prendre quelqu'un à témoin. Là. Qu'est-ce que madame vous a donné comme consigne ce matin à propos du couvert? Oui, elle m'a dit de faire 3 couverts. Pour vous, pour elle-même et sa petite soeur Ayami. Papa, tu as vu, non? Bon. Tu as vu, non? Elle a dit ça comme ça. Ah bon? Tu vas mettre le couvert comme d'habitude. Maintenant, peut-être il faudra y ajouter une assiette pour sa petite soeur. Hein? Oui, voilà. On va manger ensemble. On va faire comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Je suis quand même là. Hein? S'il vous plaît, mes princesses, votre déjeuner est servi. Oui, merci, mais on va prendre ça à la cuisine. Parti. Allons. Toutes les choses n'est bon dans cette maison. C'est pas possible. De l'ordre dans tout ça. Nous avons notre famille ici tranquille. Elle vient se jeter dedans pour tout garder. Tessant, tout à venir. Oui, tout ça, c'est trop long, on ne mange plus. C'est mieux. Tout ce qui est ustensile de cuisine, appartement. De notre maman là. Tu rassembles tout. Tout lui appartient ici même. Voilà. Tu rassembles, tu vas aller lui remettre. On va voir dans quoi elle va préparer ici. Donc je commence par les assiettes maintenant. C'est pas le problème. Les assiettes là, moi je pense que ça va être une autre fois. Faut qu'on le fasse par étapes comme ça. Ah, d'accord. Prends tout ce qu'on, les casseroles, ce qu'on prépare dedans, tout ça là. Comme ça, ça va bien lui faire mal. Tu as raison. Moi je ramasse tout. Donc finalement, tu dis on va où? Ben on va chez maman, on va aller lui remettre les ustensiles là. Et puis après, on va au supermarché. C'est aujourd'hui qu'on va au supermarché? Oui, bien sûr. Faut que je tiens un programme. Non, c'est que. Faut que je me change. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, c'était pas prévu. Mm-hmm. On va aller se changer le temps qu'ils rassemblent tout ça. Ok. Bon, Tesson, tu fais un peu vite. En tout cas, des deux lèvres. Rien. Chérie, pourquoi tu n'as pas voulu manger? Tu sais que je t'ai déjà pardonné. Oh non, laisse tomber. Laisse ça. Une fois c'est passé, on ne revient plus dessus. Dis-moi, tu as combien de congélateurs? Congélateur, j'en avais 2, mais il y a un qui est gâté. Et le frigo? Je n'ai même pas de frigo. Bon, d'accord. C'est pas la peine d'en chercher. Je vais t'en offrir. T'en bon? Oui, je t'offre un congélateur plus un frigo. Pour moi? Voilà. Non, attends, tu mérites ça, non? Merci. Voilà. Je te remercie. Non, c'est rien. Bon, oui. Je vais devoir partir. Déjà? Oui. Mais chérie, tu sais, je ne te sens pas aujourd'hui. Tu me sens pas? Non, je ne te sens pas. Tu as quel problème? Non, il n'y a rien. Tu n'as rien? Il n'y a rien. Ça va. Bon, allez, je te laisse. Hein? D'accord. Ouais. Ok, à plus tard. Ouais. Alors, elle a signé? Mon acteur n'a pas voulu signer. Pourquoi? Non, mais je t'ai dit de tout mettre en œuvre pour qu'elle me signe ce papier. Mon oncle, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai tellement parlé, mais elle a dit qu'elle ne peut pas. Mais pourquoi elle ne peut pas? Elle ne peut pas dire qu'elle ne signe pas sans raison. Pour quelle raison elle dit qu'elle ne signe pas? Non, ou bien c'est pour ces ustensiles de cuisine qui sont ici là. Mais qu'elle vienne tout prendre, tout, qu'elle prenne tout, pour qu'elle me signe ce papier. Mais attends, mon oncle, toi-même, tu veux divorcer, pourquoi? Regarde, toi, faut pas me poser des questions comme ça. Hein? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Go qui nous a dit de venir chercher le congélateur et le frigo. Vous êtes qui? Je m'appelle Kassim, J'habite le quartier Est. Quartier Est? Oui, madame. Vous connaissez Léga? Léga, c'est notre vieille mère. On vient même chercher le congélateur et le frigo pour... Pourquoi? J'ai vu le papier. J'ai dit que je ne signe pas. Pourquoi? Tu veux mon mari. Où il est, ton mari? Toi? Non, c'est pas... C'est fini, c'est fini tout ça. Faut pas me dire ce non. C'est pour ça que je suis venu avec ça là. Faut pas me dire des choses comme ça. Attends, si tu veux, on va se calmer. Tu te penses que je te demande là? C'est pas sorcier. Regarde. Tu prends le stylo. Regarde là. Tu mets une petite signature. Un petit geste. Et
puis ça me libère, mais ça te libère. Tu vois, tu pourras aller tranquillement avec Dr Keter, ou bien si ça te chante, avec ton taximètre, et tu pourras aller chercher tes ustensiles de cuisine pour venir t'installer ici. Moi, je suis capable de t'offrir 1 hectare de terrain. Tu vas construire tout ce que tu veux. Mais seulement, il faut signer ça ici. J'ai choisi la voiture, bien sûr. La voiture? Oui. Mm-hmm. La bibliothèque, mm-hmm. le frigo, mm-hmm. le congélateur. J'ai pris ça. Attends, et la table à manger? Tu vas la laisser? Ah, tu as raison, je vais prendre ça aussi. Ah, parce que c'est joli d'air. Ah, tu as raison. Et puis tu fais bien même ma copine. Ça va lui apprendre à demander le divorce. C'est ça. Amélie, mm-hmm. et derrière, je ne lui laisse rien, il ne prendra rien, ça va même. Je vais tout prendre. Bien fait, c'est ta seule paye. Tu vas lui laisser pourquoi? Est-ce que les affaires là, je peux les garder chez toi? Hé, ma copine, je t'ai dit qu'ici là, c'est chez toi. Il y a de la place partout. Merci. Parce que Gourou, elle est voir Maï. Si je ne me dépêche pas là, il risque de ramasser les affaires là dans mon dos.